Salut la communauté OpenToons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée aux effets spéciaux dans OpenToons. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'effet glow. Donc, l'effet glow, ça permet de donner de la luminescence, donc de la luminosité à un objet. Ça vous permet donc de faire, par exemple, je sais pas moi, un éclair ou une lumière ou des yeux très brillants. Et nous allons dans cette vidéo passer en revue les paramètres de cet effet. Alors, comme d'habitude, donc je démarre à partir de rien et je vais préparer une scène qui va me permettre de bien apprécier les changements que je vais faire avec l'effet glow. Alors, je commence par créer trois formes. Donc, voilà, je vais créer une forme verte. Vous allez voir pourquoi je fais ça, vous allez comprendre par après. Cette forme avec F, je vais la remplir en vert. Voilà. Je vais changer la couleur ici par un vert foncé. Voilà, voilà. Ensuite, je crée une deuxième forme. C'est parti. Donc, il sera une forme rouge. Voilà. Nouveau style, couleur rouge, F, et je remplis ma forme. Le bord, je le mets en rouge un peu plus foncé. Voilà. Et ensuite, je crée un troisième calque où je crée les choses qui vont être luminescentes. Voilà, et dans mon animation, ces choses-là vont fusionner. Donc, parce que c'est quand même toujours mieux d'animer. Hein. Oula, ici, je vois pas bien mon rouge. Je vais cacher momentanément le rouge. Alors, c'est parti. Donc, je vais les faire fusionner, avancer et fusionner. Donc, voilà, ils avancent. Grandissent un peu, hop. Encore une fois, celui-ci commence à fusionner. Celui-là, pas encore. Voilà. Voilà, ensuite après avoir fusionné, elle devient un peu plus régulière. Hop. Le but, c'est d'avoir une forme dans laquelle on pourra bien apprécier la transformation avec l'effet glow. Voilà, hop. Et encore une dernière. Voilà. Donc je reviens au début, je colorie en bleu. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, j'ai créé une page 2, mais c'est pas ce que je voulais faire. J'ai créé un nouveau style, couleur bleue, parce que souvent le bleu c'est sympa pour les effets lumineux. F, je remplis toutes mes formes. Voilà, c'est parti, on essaie de faire le plus vite possible. Tout ça, je parle pas encore d'effet glow, hein. Je prépare ma scène. Hein. Voilà, tac, 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 tac. Alors, celui-ci reste un peu longtemps. Voilà, je vais vous montrer le rouge. Et alors ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire une boucle. Donc, je vais reprendre... je vais reprendre ici l'image 6. Voilà, hop. Ensuite l'image 5. Voilà. Ensuite l'image 4. Voilà.
Ensuite, l'image 3. Voilà. Ensuite, l'image 2. Et je reviens sur l'image 1. Comme ça, j'ai un truc bouclé. Et je laisse ça sur une seconde, puisqu'on est en 24 frames secondes. Voilà. Je sors ça jusqu'au bout. Et je sors ça jusqu'au bout. Je l'ai pas bien pris. Voilà. Donc, maintenant, si je regarde mon animation, hop, c'est parti. Voilà, j'ai quelque chose qui évolue assez vite. Je peux le mettre même un peu moins rapide. Hein. Je peux le mettre en 12. Voilà, ça va et ça revient. Alors, on va nommer nos calques. Hein. Donc ici, c'est la chose verte. Ici, c'est la chose rouge. Et là, c'est la chose bleue. D'accord ? Toujours important de nommer vos calques correctement. Alors, je vais mettre, j'ai plus besoin de l'onion skin, je vais dans animation, je vais mettre en visuel, et je vais lancer mon effet spécial. Voilà, donc j'ai la chose verte, la chose rouge et la chose bleue. Donc je vais commencer par rendre la chose bleue luisante, donc par l'effet glow, donc je fais bouton droit, add fix, ça se trouve dans light, glow. Vous voyez, donc... c'est ceci. Alors, donc c'est parti, on se met au début, hein, donc on est là, et je commence par mettre ma chose bleue dans light, et le light dans la sortie. Alors tout de suite, on voit quelque chose de sympathique, on voit notre forme qui est floutée, donc blur en anglais. Donc je vais double-cliquer ici sur le nœud glow, pour avoir les paramètres. Alors, il faut savoir, donc, si on va regarder dans la documentation, donc, l'effet glow, donc, ça crée, donc, un effet luisant qui utilise le nœud light comme une lumière qui va se baser sur l'import de la source. Donc, ici, je n'ai pas spécifié de source. Hein, et ce qu'ils disent dans la documentation, c'est que si aucune source n'est définie, la luisance est appliquée sur toutes les images qui se trouvent en dessous du nœud de lumière, donc selon la XSI. Donc vous voyez ici, donc effectivement, je n'ai pas précisé ici de source, donc vous voyez dans mon nœud glow, et on voit que l'effet interagit donc avec les deux autres calques. Donc je peux lancer ma petite animation. Donc vous voyez, on voit toujours à travers mon animation, ici on voit toujours le... Je vais mettre un peu plus lent parce que c'est plus sympa, ça va un peu vite ici, donc 12, voilà. Donc on voit très bien donc, que ça, comment dire, c'est comme une sorte de chose fantôme, on voit derrière. Alors, ce qui est sympa, c'est de préciser donc que la source, c'est l'objet même qui émet la lumière. Alors vous voyez ici, du coup, ça n'interagit plus avec l'arrière, donc on a bien notre effet luisant très léger ici, je vous le concède, qui est appliqué sur le calque bleu, mais ça n'interagit pas à l'arrière. Alors pour le rendre plus luisant, on peut déjà mettre un peu plus de flou, voilà, 50, donc vous voyez, ça commence à grandir, on peut même essayer jusque 100, vous voyez, donc ça grandit, et la brillance, on va l'augmenter, essayons 200, voilà, ça devient déjà un peu plus intéressant, donc vous voyez, donc cet effet est bien présent. Et on voit qu'il n'y a aucune interaction avec les deux calques en dessous. Donc, maintenant, je peux faire un test. Si je décide de mettre tout à fait un autre calque dans la source. Par exemple, le rouge. Le rouge va devenir la source. D'accord ? Alors, regardez bien ce qui se passe. Du coup, le calque bleu interagit avec le calque rouge, mais n'interagit plus avec le calque vert. Donc, on n'est plus dans la transparence. D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous devez spécifier qu'est-ce qui est visible dans votre source de lumière. La source de lumière, c'est toujours le calque bleu, puisque c'est lui qui est luminescent. Mais l'interaction ne se fait qu'avec le calque rouge. Vous voyez ? C'est assez... c'est à la fois complexe et intéressant, parce qu'il y a moyen de faire, par exemple, des fantômes... Vous voyez, si par exemple, je ne spécifie aucune source, donc je delete, je lance mon rendu, c'est vraiment comme si j'avais un fantôme et on voit tout l'arrière-plan à travers lui.
D'accord. Un autre paramètre donc de l'effet spécial glow, c'est qu'on peut décider d'avoir une couleur avec pour la luisance. Donc je vais remettre ici le background la même lumière bleue, d'accord? Et on peut spécifier par exemple que la lumière qui est émise va être du jaune. Alors, regardez, je clique sur le jaune, mais rien ne se passe. Alors, comment ça se fait? Bien, c'est parce qu'en fait, le paramètre fade ici, qui est à 0, est totalement lié à la couleur. Si fade est 0, peu importe la couleur que vous mettez là, ça ne fera aucun effet sur le glow. Par contre, au plus, maintenant, je mets ce fade vers la droite, donc je l'augmente vers 100. Regardez, au plus, la lumière bleue tire maintenant sur le jaune. Donc ça permet un peu de diversifier le type de couleur. Et vous voyez que c'est pas mal ici. On a quelque chose à la fois un peu bleu et un peu lumineux. Donc ça devient beaucoup plus brillant, quoi. Même chose, si maintenant je refais ça, mais sans supprimer en supprimant la source. Donc là, on voit plus le jaune, puisque ce jaune s'applique à l'aspect blur. Et donc regardez comme c'est intéressant. On a vraiment un effet fantomatique. Donc on peut à la fois faire l'effet fantomatique et l'effet lumineux. Ça, c'est plutôt l'effet fantomatique quand on ne spécifie pas la source. Et l'effet lumineux, on spécifie la source. Et alors on a vraiment quelque chose de très lumineux. Donc voilà, on peut. Donc maintenant je vous ai expliqué ça. Donc vous pouvez évidemment jouer un maximum avec les paramètres. Donc vous pouvez. Le problème c'est que, regardez, si je mets le blur à 10, la luminosité du coup, elle entre moins en compte, puisque j'ai bien l'impression que le brightness, donc la luminosité, a plus de, comment dire ça, de force si jamais le blur est développé. Par exemple, si je peux mettre un blur de 600, ça ne change pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le blur est faible. Si maintenant j'augmente mon blur à 60, regardez, puisque j'ai mis un brightness à 60, du coup, vous le voyez un peu plus. Vous voyez vraiment un peu plus la luminosité. Alors, essayons encore mieux, agrandissons le blur, je sais pas moi, à 200, je fais un truc quand même exagéré. Et là, regardez, vous avez vraiment un truc très spécial, quoi, qui on dirait une espèce de vert luisant. Voilà, je pense qu'on peut, si je diminue à 150, peut-être un peu plus, 300 de blur, et que je mets la brightness à 1000. Voilà, là, on est un peu dans l'exagération. C'est un peu exagéré ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est le paramètre donc 50, donc pas trop de luminosité et une brightness de 200. Je trouve que ça fait un effet qui est top. C'est juste ce qu'il faut, donc c'est quelque chose de lumineux. Et j'aime beaucoup aussi l'aspect fantomatique. Donc quand je réduis, non, pardon, quand j'enlève la source, donc je vois toujours ma forme. Et ah oui, et j'aime bien aussi ne pas mettre d'autres couleurs. Alors je vois vraiment mon objet qui est transparent derrière tout, quoi. Voilà. Ici, je vais remettre 20. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vraiment jouer avec ça un maximum hein, pour essayer d'avoir l'effet que vous voulez. Donc maintenant que ça c'est fait, ici, je vais faire un exemple tout bête. Je vais recréer une scène, donc new scène, et je vais créer un simple éclair pour vous montrer un peu un exemple de création avec ça. Alors moi, pour faire un éclair, je me mets en calque vectoriel, voilà, donc Toons Vector Level, ok. Je prends l'objet géométrie avec G et je prends la polyline. Et avec la polyline, je vais mettre en basique pour tracer. Avec la polyline, je crée une première forme. Tac, tac, tac. Il me suffit de cliquer un peu partout. Voilà, je fais Enter pour terminer la polyline. Puis je repars encore avec une autre ligne vers le haut. Pop, hop, hop, hop. Enter pour terminer. C'est un exemple, hein, c'est une façon de faire, voilà. Et encore un trait par ici. Un plus petit là. Enter. Et encore un là.
Voilà. Ensuite, mon éclair, ben, je le veux bleu. D'accord. Voilà. Avec l'outil pompe, je vais agrandir certains trucs. Parce que mon éclair n'est pas régulier. Hein, donc, ça, c'est un peu trop gros. Popopo, voilà. Je lui donne un peu de consistance. Hein. Voilà. Ici, je le diminue tout à fait. Je donne un peu de consistance aussi. Voilà, on va dire que c'est bon. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est avec S, CTRL C, CTRL V. Encore une fois, CTRL V. Donc j'ai fait une animation. Donc j'ai trois images différentes, la troisième étant la finale. Donc avec le 2 et l'eraser, je vais effacer une partie de l'éclair. Voilà, hop. Et puis encore dans le 1. Donc je vois où j'étais. Je vais encore plus loin. Voilà. Comme ça, en fait, je donne l'impression de l'avancée de l'éclair. Je le réduis. Voilà, ce qui fait que donc si je mets maintenant une vitesse de 10, hein, faut pas aller trop vite. Voilà, ça me donne évidemment ici, ça peut rester un peu plus longtemps. Voilà. Alors, je mets l'effet spécial en route. Voilà, c'est sur du bleu, c'est pas sur du noir, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, avec les effets spéciaux, hop, j'ajoute mon effet glow. J'ajoute ben light glow. La source étant la même ici. Je le mets en avant, voilà, et je peux m'amuser maintenant à augmenter ici 50 et 200. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas trop mal. On va ajouter un décor. C'est quand même mieux. Un éclair sans campagne, sans décor, ça donne moins bien. Voilà, j'ajoute un décor que j'ai fait dans Krita. Et je le mets dans le fond, sinon je vois plus mon éclair. Voilà. Et alors, donc ça c'est décor, toujours nommé les calques, éclair. Voilà. Contrôle full screen mode. Est-ce que ça donne assez bien? Ouais. Voilà, maintenant vous pouvez effectivement jouer sur le côté lumineux ou pas. Hein. Donc ici le globe, hein, il n'a pas l'air assez fort. Je vais agrandir un peu 100 et la luminosité 300. Voilà, par exemple, c'est déjà un peu plus sympa. Et alors, en général, un éclair, ça disparaît. Alors je vais ajouter un nœud qui est intéressant aussi. Voilà, pour terminer ce petit tutoriel. C'est le nœud Transparency qui est tout simple. Donc, c'est dans Layer Blending Transparency. Donc, regardez, si j'inclus donc ça juste après la vision de mon éclair, vous voyez qu'il apparaît à 50%. Pourquoi? Quand je clique sur 50, il est sur le. Pardon, non, j'exprime trop vite. Quand je clique sur le nœud Transparency, il est à 50 et il va de 0 à 100. 0, ça veut dire qu'on voit tout et 100. Ça veut dire qu'on voit rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc je vais ici dans le Function Editor, cliquer sur Transparency. Au départ, je veux que on voit toujours tout, donc il est à 0, ça va. Et à partir de 5,
quand il s'est bien affiché. Donc à partir de 6, bouton droit, je mets toujours 0. Et jusque 12, par exemple, voilà, 12 ici. Là, je vais mettre 100. Donc, il va disparaître. Voilà, ce qu'il me donne. Maintenant, je refais l'animation. Voilà, vous avez vu, donc il apparaît et puis il disparaît. Il ne reste plus qu'à ajouter les effets de bruit. Et vous avez un exemple de donc d'éclair. Voilà, je vais arrêter ici le tutoriel. Donc comme ça, ça vous a donné l'explication sur les différents paramètres d'une glow. Et vous avez un exemple d'application donc sur un éclair. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut la communauté!